nouvelle petite vidéo sur Clash Royale. C'est une vidéo assez spéciale, parce que aujourd'hui je vais vous faire un tuto comment savoir tout simplement les coffres que vous allez gagner. C'est grâce à une application. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est un cycle. Elle s'appelle Royal Chest Tracker. Et je vous la mettrai dans la description. Donc là, vous voyez, on voit directement le cycle. Donc ça, c'est le début du cycle. Donc par exemple, si vous êtes nouveau dans le jeu, la première victoire que vous aurez un silver. Après, un deuxième silver, troisième silver, un gold, un gold, etc. Et à votre 11e coffre, vous aurez un magical. Et en bas, là, vous voyez par exemple, si vous êtes là, je tape sur le silver chest, là on voit en bas, dans 3 coffres, j'ai mon gold. Là, dans 48, j'ai un giant chest. Là, de 32, j'ai un magical, etc., etc. Et vous allez me demander comment on fait pour se repérer quand on n'est pas nouveau, quand on vient de découvrir l'application. Il y a deux techniques. Soit vous marquez toutes vos victoires. Donc par exemple, si vous en êtes donc un cycle c'est 240. Hein. Si par exemple vous en êtes au silver, si vous avez un silver chest, vous marquez sur un petit bout de papier toutes vos victoires, les coffres que vous avez, et vous repérez par rapport à la liste. Mais je vous avoue que c'est plus chaud. Donc j'ai une autre petite technique plus facile. C'est par exemple, si vous avez soit vous attendez un giant chest, soit un magical. Par exemple, si moi j'ai un magical chest, qu'est-ce que je fais? Puisqu'il y en a 3-4 dans le cycle des magical, comment je sais que c'est lui quoi? Tout simplement, je regarde dès mon application, dès que j'ai un grand coffre, genre un géant, un magical, et c'est tout. Et après, je note les 10 à 15 premiers, parce que sinon, ça sera ce que l'autre magical, c'est la même chose au début. Hein. Mais au bout du 15e, ça changera. Donc par exemple, là, magical, silver, silver, gold, silver, silver, vous notez ça sur un papier. Et ce qui est piégeux, c'est que là, ça va être la même chose. Silver, silver, gold, silver, 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 gold. Mais au bout du 10e, à peu près par là, ça commencera à changer. Voilà, au 145, ça commencera à changer. Donc là, il faudra noter après, vous saurez directement à quel coffre vous êtes. Donc je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient fait un cycle et qu'ils aient fait une application comme ça. Donc vous avez juste à taper dans l'Apple Store Chest Tracker. Je mettrai le lien dans la description. Attends, je retape Chest Tracker. Donc je mettrai bien le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Et il y a les probabilités que vous ayez 70 gold, etc. Donc ça peut être intéressant. Je crois que je mettrai tout simplement le lien dans la description je vais le faire. Je pense que
Ça pourrait être pas mal de savoir quand vous aurez un magical chest ou etc. Mais juste avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous dire que les super magical chests, c'est complètement aléatoire. C'est possible d'en avoir, oui, mais c'est complètement aléatoire. Par exemple, vous pouvez en avoir un là, comme là, comme là. Ce n'est pas du tout un cycle, donc. Ne pensez pas que vous aurez forcément un super magical chest et que vous le verrez là. Eh ben non, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez l'avoir au début comme à la fin, toute fin. Bonne chance à vous. Et salut, à la prochaine.